préparatoire Odiane avec Brocotte, Valverge qui se sont bien élancés. D'Alcala est en troisième position, Coupé Flash venant ensuite et c'est pour le moment le cas. La conquérante qui ferme la marche. Badlerge, comme elle l'a fait dans le prix Pénélope, s'installe en tête de cette compétition et déroule son action. Brocotte est deuxième, la troisième place occupée par D'Alcala, suivie par Poupée Flash, la conquérante est pour le moment en cinquième et dernière position. Badlerge et son grand braquet qui compte maintenant 3-4 longueurs d'avance sur Brocotte. En troisième position, le galop D'Alcala, Poupée Flash venant un petit peu plus loin et c'est toujours la conquérante qui ferme la marche. Badlerche, emmené par son action, qui a l'avantage dans la ligne d'en face. Brocotte est deuxième. Pour l'instant, les positions sont figées. D'Alcala qui galope en troisième position. Poupée Flash qui est quatrième. La cinquième et dernière place occupée par la conquérante. Badlerche qui règle toujours l'allure. 4-5 longueurs d'avance sur Brocotte, dont le jockey a acheté un petit coup d'œil derrière lui. Et derrière lui galope D'Alcala, Poupée Flash et la conquérante. Badlerche toujours seul aux commandes. Brocotte qui est deuxième, D'Alcala en troisième position, Poupée Flash venant un petit peu plus loin, et la conquérante, montée pour une place par Christophe Soumillon, qui patiente, qui laisse pour le moment les autres faire. Badlerche en tournant finale, qui augmente son avance, même 7-8 longueurs d'avance maintenant. Brocotte qui est deuxième devant D'Alcala, Poupée Flash et la conquérante. La ligne d'arrivée dans quelques instants avec Badlerche qui compte maintenant une bonne dizaine de longueurs d'avance sur ses rivales. Brocotte, D'Alcala, Poupée Flash et la conquérante venant dans cet ordre. La ligne d'arrivée avec Maxime Guillon qui demande à Badlerche de réaccélérer. D'Alcala qui se lance à sa poursuite maintenant avec Brocotte. Poupée Flash venant un petit peu plus loin devant la conquérante. À 300 mètres des buts avec l'avance de Badlerche qui se réduit. Et D'Alcala maintenant qui vient très fort sur elle avec Poupée Flash qui est troisième devant Brocotte et la conquérante. Avec Badlerche qui est irrémédiablement battu. C'est D'Alcala maintenant qui prend l'avantage. Poupée Flash qui vient en deuxième position. D'Alcala qui compte 2-3 longueurs d'avance maintenant sur Poupée Flash. D'Alcala qui va demeurer invaincu à l'issue de sa troisième sortie publique, qui s'impose avant de Pouliche. Poupée Flash qui est deuxième, la conquérante troisième.